c'est gentil. C'est la première fois que vous venez au Globe de Cristal ? C'est la première fois, oui, effectivement. La première fois et pas la dernière, j'espère. Ah bah oui, et puis surtout, en plus, pas n'importe quelle fois, puisque c'est les 10 ans. Exactement, j'ai la chance d'assister aux 10 ans, justement, l'anniversaire des 10 ans des Globes de Cristal. Je suis très honorée et très fière d'avoir été invitée, sincèrement. Et c'est la première fois que vous venez au Lido ? C'est la première fois que je viens au Lido. Écoutez, je suis à Paris, mais c'est vrai que je n'ai jamais pris le temps. Souvent, quand on est dans une ville, on ne prend pas le temps d'aller. Alors, Henri Lecomte, il y a deux secondes, me disait, est-ce que vous avez déjà vu la tour ? Est-ce que vous avez déjà été à la Tour Eiffel ? Je lui ai dit non. Ah bah, vous voyez, regardez. Souvent, quand on est dans la ville, on se dit, oh, on a le temps d'y aller, c'est accessible. Alors, du coup, on n'y va pas. Et c'est vrai que vous venez d'insister sur un point qui est très juste, je n'ai jamais été au Lido. Surtout qu'en plus, il y a une nouvelle revue ce soir. Exactement, on a la chance de voir la nouvelle revue. J'ai très très hâte, j'aime beaucoup ce genre de spectacle et ce genre d'événement. Je suis très très heureuse d'être ici. Est-ce que vous êtes venue soutenir une catégorie en particulier ou quelqu'un en particulier ? Écoutez, non, pas spécialement. C'est vrai que je suis un petit peu plus touchée par la musique, le cinéma. Voilà, après j'ai une affection particulière pour Black M parce que c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois et que je trouve très humble et j'aimerais beaucoup qu'il remporte le trophée ce soir parce que je pense qu'il le mérite. Aujourd'hui malheureusement quand on devient artiste, parfois l'humilité se perd et lui ne l'a pas perdu malgré le succès. C'est quelqu'un que vous connaissez bien ? C'est pas que je le connaisse bien, mais je le connais et je le trouve très humble, très accessible et j'aime beaucoup l'humilité dans ce milieu parce que c'est un petit peu rare. Vous avez bien raison, Aya. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci, bonne soirée.